Voilà, j'ai réussi à rentrer à l'intérieur. Excusez-moi, du fort de Marchovlette. Je pensais que c'était un domaine militaire, encore occupé par l'armée, mais visiblement. Ils ont tout abandonné. Ça servait pour les camps d'entraînement ici, apparemment. Bon, on va essayer de s'introduire. C'est un fort qui a beaucoup souffert. En 1914, il était bombardé par du 420 mm. Et la moitié de la garnison était tuée ici. Plus d'une centaine d'hommes ont été ensevelis ici. Et certains, je crois, y sont toujours. Et ça, c'est le dépôt de munitions. Ben donc, un ancien dépôt de munitions, apparemment. Je n'ai pas d'accès dans le fort par ici. On va ressortir. Pas gagné encore, hein. Putain. Ça court bien ces barreaux de fer là. Escarpe contre escarpe. On est à l'extérieur, c'est ici apparemment. Il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, les soldats, les paracommandos venaient s'entraîner ici. On voit les endroits où ils devaient sauter. Il devait sauter ici au-dessus, faire des pirouettes avec des trous de fusiliers. On se servait aussi pour expérimenter des explosifs. Alors c'est un fort qui a été bombardé massivement le 23 août 14, du 21 au 23 août 14, dont une partie des pots de munitions explosés, entraînant un grand nombre de victimes, comme j'ai dit plus tôt. En 1940, il était assiégé également, bombardé par les Stukas, l'artillerie, les Stukas, et attaqué par l'infanterie allemande. Le fort a dû se rendre, je crois, vers le 23 mai 40. Voilà l'accès. Ici encore une partie de l'escarpe et la contre-escarpe. Visiblement, ce fort a beaucoup souffert des différentes guerres. Remis à neuf dans les années 30, et il a été abandonné après la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas été rénové, ferraillé. Les canons, les tubes ont été retirés. C'est un petit coin barbecue, sans doute du temps où l'armée s'en servait encore. On va essayer de rentrer ici, le trou du diable. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit passage vers des galeries intérieures du fort. Donc, d'où ça mène ici, tiens. Ça mène dans les côtés, il faut que je passe par là. Pas très commode comme passage.
Et le toit en tôle ondulée ici, le système Jowa, comme ils appellent ça, a été préservé ici apparemment. C'est l'entrée principale du fort. Jamais ici. Peut-être la salle des machines. Apparemment, c'est le même plan que le fort de Dave. Apparemment, la même chose. C'est pratiquement le même. Une énorme salle. Ici, faisons bien gaffe parce que c'est très profond et casse-gueule. Oula. C'est qu'il doit y avoir le grand puits, à mon avis, pour l'eau. Il doit y avoir un énorme puits très profond. C'est bien ce qui me semblait. Waouh! Oh putain, celui qui tombe là-dedans. Bonjour, quoi. C'est le même plan que celui de Dave, apparemment. Accès à une des tourelles, apparemment. Ouais, c'est le même genre de fort. Aller par là. Des galeries à n'en plus finir. Waouh! Je suis quand même seul, faut faire attention. Oh mon Dieu, cul-de-sac. Accès.
passer à l'étage du dessus, mais ça, j'ai le même problème à Dave. Souterrain ici sont ceux qui ont été construits dans les années 30, donc ils condamnent un peu la partie d'avant 1914. Dépôt de munitions. Bon, je vais continuer. Voilà, je suis dans les sous-sols ici. Alors c'est un très long tunnel, près d'un kilomètre, qui mène vers la fameuse tour d'aération, hein, qui se trouve loin du fort, qui permet l'aération de l'ensemble des souterrains ici. Voilà, c'est encore en très bon état ici. Ça fait cruellement penser à la ligne Maginot, hein, la ligne Maginot qui attend bien meilleur état d'ailleurs. C'est très long. Et de l'autre côté, ben, c'est pas mieux. Et une volée d'escalier pour remonter. Et c'est humide, il y a de la caillasse et ça glisse. Me revoilà dans le fort. Voilà, maintenant je vais essayer de visiter la superstructure. Je vais essayer de ressortir d'ici. Par la sortie. Encore des locaux ici. Oula. Ouais, cul-de-sac. Pas plus loin. Voilà, j'ai accédé à la base de l'ancienne tourelle pour canon, qui est complètement retirée. Contrairement à la ligne Maginot, tout est encore en place, ça c'est l'avantage. Alors ici on accède à la grande salle, salle qui date de la Première Guerre mondiale, donc du premier fort. Voilà, donc la grande salle qui accédait aux trois tourelles, salle donc qui date de 1882 et qui a été transformée dans les années 30. Encore des galeries par ici, c'est pour... Ça, c'est l'ancienne partie ici.
pas qu'il y avait autant de galeries, quoi. Je ne sais pas du tout où ça mène. Hein. Punaise, quoi. C'est colossal. Il va falloir des heures pour explorer tout ça. Qui mène à l'extérieur. Attention, ici des trucs hyper dangereux qui mènent vers la partie rénovée dans les années 30. Punaise, mais où est-ce que ça mène ça? Bon, je ne vais pas m'y aventurer tout seul. Je vais venir avec l'équipe ici s'ils veulent bien. C'est quand même assez dingue. Visiblement encore une tourelle. Qu'est-ce qu'elle a cette lampe? Tu es profond. Tourelle ou peut-être le phare. Car ce phare est équipé d'un phare qui permettait d'éclairer l'objectif. Revenir. Et me voilà devant la fameuse tour de refroidissement du fort de Marchauvelette, en nettement moins bon état que celle de Malonne. Voilà, en fait, elle a été bombardée en mai 40 par des tirs de 88 mm. Les Allemands se sont acharnés dessus. Et voilà le résultat.